Le jury est composé donc de Madame Nathalie Heinrich Bernadoni, directrice de recherche au laboratoire Gypsum Lab, Monsieur Emmanuel Babin, professeur des universités, praticien hospitalier au CHU de Caen, Monsieur Jérôme Favrinas, maître de conférence, Université Toulouse-Sabatier, donc Toulouse 3. Moi-même, Rudolf Sock, professeur des universités à l'Université de Strasbourg. Dans le document que je lis, il manque Virginie Voisin, donc qui est praticien à quelle université encore? Virginie, tu peux préciser, s'il te plaît? C'est un document. Alors, je réponds pour elle, voilà. Puisqu'elle elle m'a fait signe. Donc, elle est au laboratoire neuropsycholinguistique, anciennement Octogone Lorda, à l'unité Toulouse de Jean Jaurès. Merci beaucoup. Et au CHU de Toulouse, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Voilà, donc nous allons écouter d'abord Mathieu Balaguer, mais je vais annoncer l'ordre de l'intervention des membres du jury. Nous écouterons d'abord Nathalie Heinrich, après ce sera au tour de M. Emmanuel Babin, et je prendrai la parole par la suite. Ensuite, nous écouterons Jérôme Favrinas, Virginie Voiseur, et enfin, Julien Pinquier. Voilà. Donc, Mathieu, vous avez la parole pour 40-45 minutes. Hein? Voilà, nous vous écoutons. Je vous remercie, Monsieur le Président de jury. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc profiter du temps qui m'est alloué pour vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre de cette thèse. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, les cancers de la cavité buccale qui sont représentés en rouge sur le schéma et les cancers de l'oropharynx qui sont représentés en bleu sont des cancers qui sont fréquents. Ce sont les troisièmes cancers les plus fréquents chez les hommes en France en 2018. Et ce sont également des cancers pour lesquels la mortalité, en fait, représentée sur le deuxième schéma par la ligne bleue, est en diminution depuis désormais quelques années. En raison de leur localisation, les cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx ont un impact sur toutes les fonctions du carrefour aérodigestif, dont les fonctions de parole. Il est désormais bien reconnu que la localisation, la taille de la tumeur et le traitement subi ont un impact sur les capacités de parole à différents niveaux. Pour ceux qui ne seraient pas parmi vous familiers avec le type de production de parole que peuvent donner ce type de cancer et des traitements, je vais vous faire écouter un extrait d'un patient qui a été traité par une glossectomie totale, donc une ablation totale de la langue, avec oropharyngectomie latérale gauche, par voie transorale et reconstruction par un lambeau. Donc, en raison de cette incidence qui a tendance à diminuer et au fait que la mortalité stagne, cela signifie que les patients vivent désormais plus longtemps avec les conséquences de la pathologie ou de leur traitement, il est important de s'intéresser aux conséquences de ce trouble de parole dans la vie quotidienne. Pour ce faire, différents cadres conceptuels ont été décrits dans la littérature, dont un des plus connus est la classification internationale du fonctionnement que je vous présente ici, mise en lien avec le modèle de Wilson. Donc, ce modèle biopsychosocial, en fait, met en lien les altérations structurelles et analytiques liées à la pathologie ou au traitement, qui ont ensuite des conséquences en termes de limitation d'activité sur la parole et sur la communication. Et ensuite, à terme, ils ont également des conséquences sur les restrictions de participation en dégradant la qualité de vie. Or, ces modèles montrent bien qu'il y a différents processus qui peuvent être en jeu et qui peuvent impacter la communication et le statut fonctionnel, typiquement les caractéristiques de l'individu ou de l'environnement, le statut symptomatique, le statut fonctionnel ou la perception de l'état général. Les facteurs non médicaux, tels que les facteurs cliniques ou de traitement, peuvent également avoir une influence. Et c'est dans ce cadre conceptuel-là que va s'inscrire notre étude. Donc, typiquement, le statut symptomatique va correspondre au trouble de la parole, le statut fonctionnel aux conséquences de ce trouble de parole sur la communication, et en dernier ressort, évidemment, les conséquences sur la qualité de vie. Donc, les troubles de parole doivent être évalués en clinique courante, puisque c'est cette évaluation initiale qui va aider au choix des stratégies thérapeutiques.
Et nous avons souhaité établir un état des lieux de cette évaluation en clinique courante. Pour ce faire, nous sommes appuyés sur les trois principes de l'evidence-based practice, à savoir, dans un premier temps, l'expérience clinique. Nous avons réalisé un état des lieux auprès des cliniciens prenant en charge les patients présentant des troubles de parole. Et ces cliniciens rapportent pour un quart d'entre eux qu'ils n'évaluent pas l'impact fonctionnel du trouble de parole dans leur évaluation initiale. Et que, quand c'est fait, les questionnaires utilisés ne sont pas toujours adéquats. Typiquement, les cliniciens rapportent, pour ceux qui évaluent ces conséquences, dans 70% des cas, l'utilisation du Voice Handicap Index, qui est un auto-questionnaire relatif à la voix et non pas à la parole. Le deuxième pilier de l'evidence-based practice correspond aux valeurs du patient. Une étude préliminaire a été menée auprès de 11 patients qui montre que la majorité d'entre eux auraient aimé que les conséquences du trouble de parole soient davantage prises en compte dès l'évaluation. Et il y en a même un petit nombre parmi eux qui considèrent qu'elles n'ont pas assez été prises en compte. Le dernier pilier concerne évidemment les preuves scientifiques que l'on retrouve dans la littérature, et il s'avère que finalement peu d'outils sont disponibles à l'heure actuelle pour l'évaluation de la parole, surtout en contexte cancérologique, et que les outils utilisés sont très largement perceptifs, c'est-à-dire ce sont des auditeurs humains qui vont attribuer un score à ce trouble de la parole. Les analyses acoustiques et automatiques ont donc tout leur intérêt pour pallier les biais perceptifs, puisque une évaluation perceptive est par définition variable, même auditeur ne donnera pas toujours le même score à deux moments différents. Et entre deux auditeurs, nous pouvons avoir des scores également très différents. De la même manière, parmi les biais perceptifs, nous pouvons retrouver le manque de standardisation des tâches ou des échelles utilisées pouvant être assez différentes. Enfin, les troubles de parole sont un champ de recherche en plein essor, notamment en cancérologie ORL. Ils ont fait l'objet de plusieurs projets de recherche, comme le projet C2SI, ou le projet RUBY, donc qui est le projet dans lequel s'inscrit ma thèse, mais également le projet DAPADAF-E ou le consortium européen, également TAPAS. Notre objectif sera donc de mesurer l'altération de la communication par analyse automatique de la parole spontanée après traitement d'un cancer oral ou oropharyngé. Pour ce faire, notre présentation s'articulera autour de quatre parties. Une première partie relative à l'état de l'art qui sera une revue systématique de littérature de manière à faire le point sur les données actuelles concernant ce sujet. Une deuxième partie concernant la conception et la constitution du corpus que nous avons dû réaliser et utiliser pour répondre à notre objectif et qui permettra de lever différents verrous, notamment la mesure de l'impact du trouble de parole sur la communication, la mesure du trouble de la parole, et également la prise en compte des facteurs associés tels que nous l'avons vu dans les modèles biopsychosociaux. Une troisième partie sur les analyses automatiques de la parole spontanée. En effet, un des verrous est relatif à cette mesure du trouble de parole-là, car la majorité des évaluations à l'heure actuelle portent sur des évaluations d'unités de petit niveau, notamment au niveau des phonèmes ou de phonèmes isolés. Pour autant, en termes de communication, nous faisons l'hypothèse que les indices seront majoritairement retrouvés dans de la parole plus spontanée, c'est-à-dire plus proche de la parole habituelle des sujets au quotidien. De plus, l'utilisation d'outils automatiques nous permettra de pallier les biais perceptifs dont nous avons parlé. Enfin, une dernière partie sera relative à la prédiction de l'altération de la communication et permettra de faire la synthèse une fois que l'ensemble des trois verrous précédents auront été levés. Donc, notre première partie concerne l'état de l'art. Pour ce faire, nous avons souhaité réaliser une revue systématique de littérature concernant l'utilisation des outils acoustiques et automatiques sur le signal de parole pour mesurer les effets des cancers de la cavité buccale et de l'oropharynx. Pour ce faire, nous avons réalisé cette revue systématique selon les recommandations PRISMA et nous avons déterminé des critères d'inclusion et d'exclusion des articles que nous avons pu collecter. Parmi les critères d'inclusion, nous avons souhaité retenir tous les articles qui évaluent la parole au sens large, également tous les articles qui traitaient de l'analyse acoustique ou automatique de la parole. Et parmi les critères d'exclusion, nous avions notamment tous les articles qui n'étaient pas des articles originaux ou les sujets enfants ou qui n'ont pas de larynx originel. En termes de méthode, je vous présente ici le diagramme de flux qui présente la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avions au départ collecté 598 références dans deux bases de données. Deux bases de données ont été sondées en première intention, PubMed et Embase, et en seconde intention, une troisième base de données, le Web of Science, a été également sondée, mais n'a pas permis de retrouver de nouvelles références.
Au final, à l'issue de ces deux bases de données, après élimination des duplicata, nous avons pu conserver 498 résumés qui ont été soumis à l'évaluation de deux évaluateurs indépendants de manière à vérifier à partir des résumés si ces articles répondaient bien aux critères d'inclusion et d'exclusion que nous avons définis. Ceci nous a permis d'aboutir à conserver au final 196 articles qui, là, à nouveau, ont été évalués de façon exhaustive par les deux évaluateurs indépendants. Et nous avons cherché à évaluer pour chacun le niveau de preuve et également la qualité méthodologique, une qualité méthodologique au score QualSIST inférieur à 50% conduisait à une exclusion de l'article dans notre étude. Au final, nous avons retenu 22 articles qui répondaient parfaitement à la problématique que nous avions initialement fixée. Donc, en termes de conclusion, parmi ces 22 articles, nous remarquons que la plupart des articles, en fait, traitent en termes d'échantillons de parole de phonèmes isolés, donc portent sur des analyses d'échantillons de parole de bas niveau, de tout petit niveau. Et au niveau des mesures acoustiques et automatiques, la plupart des mesures utilisées portent sur les voyelles ou sur les consonnes, également en moindre mesure sur des mesures de nasalité. En tout cas, en conclusion, nous pouvons relever quatre éléments distincts. D'une part, le choix des paramètres utilisés pour l'évaluation de la parole va dépendre de la taille et de la localisation de la tumeur. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur deux biais potentiels, deux limites potentielles, un biais de publication et évidemment des références pouvant être retrouvées dans la littérature grise que nous n'avons pas pu récupérer. Et pour ce qui nous concerne particulièrement, nous remarquons que les tâches sur lesquelles les mesures de parole sont faites sont finalement des tâches peu écologiques. Il n'y a en effet pas d'études portant sur la parole spontanée et les mesures réalisées sont principalement des mesures de bas niveau. Or, nous faisons l'hypothèse que ce vont être les mesures également de plus haut niveau qui vont porter des informations sur l'altération de la communication, notamment quant à l'adaptation du discours vis-à-vis de l'interlocuteur. Donc, devant ces conclusions de revue systématique de littérature et devant l'absence de corpus nous permettant de répondre à notre objectif initial, nous avons souhaité, dans un second temps, concevoir et constituer un nouveau corpus. Donc, nous voulions au départ recruter un minimum de 21 sujets, puisque dans la revue systématique de littérature, la moitié des études présentait un nombre de sujets inférieur ou égal à 20. Donc, nous avons souhaité nous situer dans la fourchette haute. Au final, nous avons pu inclure 25 sujets en deux périodes d'inclusion. Une première période d'inclusion correspondant au sujet du lot 1 de 12 sujets et une deuxième période d'inclusion correspondant au sujet du lot 2 qui comprend 13 sujets. Parmi les critères d'inclusion, nous avons souhaité inclure des adultes francophones natifs traités pour un cancer de la cavité buccale et de l'oropharynx avec une période de rémission depuis plus de 6 mois de manière à avoir un critère de stabilité des troubles. Parmi les critères de non-inclusion, nous n'avons pas souhaité inclure les patients fatigables présentant une autre pathologie responsable de troubles de la parole ou présentant des troubles cognitifs de façon à ne pas fausser les réponses aux questionnaires que nous allons leur proposer. Donc, si nous revenons à notre cadre conceptuel des modèles biopsychosociaux, donc nous voyons que nous avons pu collecter au cours de notre période d'inclusion toutes les données individuelles, cliniques et de traitement des sujets. Nous avons également utilisé différents outils, donc différents questionnaires pour évaluer la communication. Donc, devant l'absence d'outils vraiment validés en cancérologie ORL, nous avons choisi deux outils validés et publiés en français, initialement plutôt à destination de la population présentant des troubles d'origine neurologique, que sont le CVB et le DIP. Nous avons également souhaité inclure différents questionnaires qui nous permettent de répondre à tous les facteurs associés pouvant influencer les troubles de la communication et le trouble de la parole. Donc, ceci s'est fait dans un premier temps par une recherche bibliographique pour la référence de ces facteurs et dans un second temps pour référencer les grilles et questionnaires qui pouvaient être utilisés pour les évaluer. Nous avons donc retenu l'évaluation des déficits associés, de l'anxiété-dépression, du statut cognitif, des besoins de communication liés à la constitution des cercles sociaux et enfin une mesure de l'autoperception du trouble de parole.
Pour certains de ces questionnaires, nous avons été confrontés à un manque dans la littérature. C'est notamment le cas de l'évaluation quant à aux besoins de communication liés aux cercles sociaux. Dans ce cas-là, nous avons créé un nouvel outil, le CCS, qui est actuellement en cours de révision chez la revue Folia Phoniatrica. Le dernier élément de notre corpus concerne l'évaluation de la qualité de vie. Et pour ce faire, nous avons utilisé deux questionnaires référents qui font référence au niveau européen, qui sont deux questionnaires de l'ORTC. Donc, nous avons différents éléments nous permettant une mesure de la qualité de vie, de la communication également. Maintenant, pour évaluer le trouble de la parole, nous avons réalisé différents enregistrements. Donc, en fait, 6 tâches ont été réalisées par le sujet, mais nous n'allons nous focaliser que sur la dernière sur laquelle va porter notre étude, c'est-à-dire l'enregistrement d'un entretien semi-dirigé qui correspond à la parole spontanée des patients. Et ces enregistrements ont été réalisés dans une salle non anéchoïque avec un enregistreur numérique et un micro serre-tête situé à 6 cm de la bouche du sujet. Alors, pourquoi ces choix? Tout simplement de manière à avoir un contexte qui soit au plus proche possible de la réalité clinique de l'évaluation, mais également car il s'agit par rapport au micro serre-tête de stabiliser la distance bouche-micro et que c'est un dispositif peu contraignant pour le patient, donc plus favorable pour lui en termes de production de parole. Donc, si nous regardons notre échantillon est majoritairement composé d'hommes, 60%. Pour les données cliniques et de traitement, nous voyons finalement un équilibre relatif entre les patients traités pour un cancer de la cavité buccale, 14, et pour les cancers de l'oropharynx, 10. L'immense majorité de nos patients, nos sujets, ont été traités par chirurgie, par radiothérapie et par chimiothérapie. Et nous avons une distribution des tailles de tumeurs de T1 à T4 qui est conforme à la réalité clinique. Nous remarquons également que le délai moyen depuis la fin du traitement est de 87 mois, avec un écart-type à 121 mois. Enfin, pour terminer sur cette étude de la parole et du trouble de parole, nous avons souhaité également obtenir une mesure de référence de la sévérité du trouble de la parole. Et pour ce faire, nous avons demandé à 6 auditeurs experts d'évaluer perceptivement les enregistrements de façon à avoir une mesure de cette sévérité. Et le graphique qui vous est présenté sur cette diapositive nous montre que finalement, nous avons des patients de sévérité variable et que la sévérité est bien distribuée sur l'ensemble de nos patients, avec des patients caractérisés comme étant plus sévères, plus proches de 0, et des patients moins sévères, plus proches de 10. Donc, nous passons à la troisième partie, donc concernant les analyses automatiques que nous avons menées sur la parole spontanée. Donc, nous nous situons toujours dans notre modèle biopsychosocial au niveau du trouble de la parole. Et pour arriver à obtenir des mesures de ce trouble de la parole, nous nous sommes basés sur le modèle psycholinguistique de Caron. Et nous avons recherché les paramètres en nous appuyant sur ce modèle, et notamment au niveau 3 niveaux de production de parole référencés par ce modèle, au niveau conceptuel, qui correspond au niveau discursif, au niveau catégoriel, qui correspond au niveau grammatical et lexical, au niveau articulatoire, qui correspond au niveau phonémique et au niveau articulatoire. Et nous avons également souhaité nous intéresser au signal de parole, qui est le support de la parole, puisque nous savons que le signal de parole est en jeu typiquement dans les contrastes phonétiques et également dans la prosodie. Donc, nous allons développer maintenant ces différents niveaux. Alors, je vous ai mis tout en haut de la diapositive un petit rappel du modèle psycholinguistique de Caron et nous allons remonter ce modèle pour aller du bas niveau jusqu'au plus haut niveau. Donc, au niveau du signal de parole, nous avons souhaité récupérer des indicateurs de macro-variabilité, que sont la fréquence fondamentale et l'intensité, mais également des paramètres spectro et capstro, notamment 2 paramètres au niveau du spectre à long terme, la pente spectrale, et puis un paramètre lié à l'inclinaison de la courbe à travers le spectre, ou tilt. Et nous avons également récupéré un paramètre capstral, qui est la proéminence du pic capstral lissé. Ceci a été possible en utilisant le script AVKI qui fonctionne sur Pratt, que nous avons adapté pour récupérer les indicateurs que nous souhaitons. Au niveau articulatoire, nous avons souhaité récupérer des mesures temporelles sur la parole spontanée, donc notamment la durée globale des fichiers et d'autres mesures un petit peu plus définies et plus précises, comme la durée totale de parole par sujet ou la proportion de parole
durant l'enregistrement le nombre de segments de parole produits et la durée moyenne des segments de parole, notamment. Pour ce faire, nous avons utilisé le détecteur d'activité vocale développé par Google. Et toujours au niveau temporel, nous avons souhaité avoir une mesure du débit d'articulation et du débit de parole, c'est-à-dire le nombre de syllabes et de pauses dans les enregistrements, les durées de production de silence, le débit d'articulation et la durée moyenne d'une syllabe. Nous avons utilisé pour récupérer ces données de débit le script Pratt Syllable Nuclei. Toujours au niveau articulatoire, nous avons souhaité également déterminer les segments vocaliques, non vocaliques et les silences de façon à avoir une idée quant au rythme de la parole. Donc pour ce faire, nous avons utilisé l'outil Speech Tools, qui est une implémentation récente des travaux antérieurs de l'équipe par un ingénieur de recherche, Yassir Bouhiri. Donc Speech Tools permet en fait de récupérer ce que vous voyez ici sur la ligne 2, des pseudo-syllabes qui correspondent en fait à des clusters d'un nombre indéfini de pseudo-consonnes, donc de segments non vocaliques, qui se finissent systématiquement par une pseudo-voyelle, c'est-à-dire un segment vocalique. Et de façon à avoir un niveau de granularité plus spécifique, nous avons adapté ce script-là de manière à récupérer vraiment le nombre de segments vocaliques et non vocaliques. Donc pour chacun, nous avons calculé le nombre par seconde, la proportion et la durée. Au niveau phonémique, maintenant, nous sommes intéressés aux phonèmes pouvant être reconnus dans la parole pathologique de nos sujets. Et pour ce faire, nous avons utilisé un système de reconnaissance automatique de la parole, dont vous avez un exemple de fonctionnement sur la droite de cette diapositive. Et le système que nous avons utilisé présente une architecture de type Time Delay Neural Network Factorisé, ou TDNNFHMM. Il est basé sur Kali. Donc, il permet typiquement, il est spécifiquement entraîné pour la reconnaissance de faune, ce qui nous intéresse particulièrement à ce niveau-là de notre analyse. Donc, ce système de reconnaissance automatique de la parole a été entraîné sur un corpus qui est Common Voice, qui est un corpus de paroles typiques d'environ 150 heures d'enregistrement de textes lus et de près de 1300 locuteurs. En tout cas, il y avait en moyenne 7 minutes d'enregistrement par locuteur. Donc, le choix de l'entraîner sur de la parole saine a été fait de manière à avoir une véritable mesure d'écart des phonèmes retrouvés par le système par rapport à une norme. Au niveau du décodage, nous avons choisi d'utiliser les segments de parole qui ont été issus du détecteur d'activité vocale sur la tâche d'entretien semi-dirigé, puisque je vous rappelle que l'ensemble de nos analyses automatiques portent sur la tâche d'entretien semi-dirigé, donc la tâche de parole spontanée. Au niveau du décodage, nous avons obtenu des séries de phonèmes pour chaque sujet parmi 33 phonèmes du français. À chaque phonème reconnu est associé un score de confiance selon qui a été calculé par la méthode minimum bias risk. Et enfin, nous avons choisi de paramétrer ce système de reconnaissance pour un traitement non optimisé du signal de parole de façon à avoir des sorties les plus brutes possibles sans traitement associé. Donc, l'utilisation de ces systèmes nous a permis d'obtenir un inventaire phonémique par sujet. Donc, je vous ai mis un petit exemple. À chaque ligne correspond à un segment de parole d'un sujet et vous avez en regard la liste des phonèmes reconnus par le système. Donc, nous avons ainsi pu calculer par sujet le nombre de phonèmes reconnus par seconde, le nombre total de phonèmes différents reconnus sur l'ensemble de l'enregistrement, mais également plus spécifiquement un nombre de consonnes, de voyelles, de semi-consonnes, ainsi de suite pour chaque catégorie phonétique. Donc un nombre par seconde, mais également une proportion de chaque type. Alors, pour vous donner un petit exemple, vous avez sur ce graphique, alors les barres bleues correspondent au nombre de phonèmes reconnus par seconde et la courbe orange correspond au nombre total de phonèmes reconnus. Et donc, nous allons prendre l'exemple de deux sujets. Donc, je vais vous faire écouter un premier sujet. «
Alors, je suis désolé, le son est un petit peu faible, mais perceptivement, c'est un patient pour lequel on pourrait estimer que la sévérité du trouble de parole est très limitée, hein, puisqu'il a une, il s'exprime globalement bien, il est assez intelligible. Et donc, on voit bien que le système de reconnaissance reconnaît 32 phonèmes différents tout au long de l'entretien, avec une distribution qui est assez variée, 401 occurrences du phonème A, par exemple, 259 du phonème E, et ainsi de suite. Maintenant, la situation est un petit peu différente pour d'autres sujets. Donc, je vous fais écouter un autre sujet. Voilà, donc là, typiquement, on a affaire à un patient pour lequel la sévérité est beaucoup plus importante de ce trouble-là. Et on voit bien que notre système de reconnaissance sur l'ensemble de l'entretien, qui durait une dizaine de minutes, seuls 5 phonèmes différents sont reconnus, avec une occurrence largement majoritaire du phonème A, qui correspond peu ou prou à ce que perceptivement nous pourrions également entendre. Donc, je vous le disais, à chaque phonème reconnu est associé un score de confiance, et nous avons également travaillé sur ces scores de confiance-là. Par sujet, nous avons calculé un score de confiance moyen, mais aussi un score de confiance moyen par catégorie phonétique. Nous remontons notre modèle psycholinguistique de Caron et nous arrivons au niveau lexical. Donc, au niveau lexical, nous avons souhaité avoir une idée de la reconnaissance des mots des sujets. Et donc, pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser le même système de reconnaissance automatique, mais cette fois-ci pour permettre de reconnaître non plus des phonèmes, mais des mots. Alors, nous avons dû procéder à quelques adaptations puisque la situation n'était pas tout à fait la même. L'objectif n'était pas tout à fait le même. Nous avons utilisé un modèle triphone pour ce niveau lexical, de manière à prendre en compte les enchaînements phonémiques du français. Nous avons cette fois-ci utilisé des fichiers complets, puisque de manière empirique, nous nous sommes aperçus que le fait de demander à ce système de travailler sur des segments de parole au niveau lexical limitait le travail du modèle de langage et que du coup, nous avions des sorties qui étaient encore plus éloignées de ce que perceptivement nous pouvions retrouver. Et enfin, nous avons changé le paramétrage et pour ce faire, nous avons évalué les performances de ce système au moyen de la transcription d'une minute des fichiers du lot 1 et de l'utilisation d'HTK. Il y a en tout 33 paramétrages différents possibles et nous avons retenu le paramétrage qui présente les meilleures performances, c'est-à-dire celui qui a une exactitude ou une accuracy de 15,49% et un plus faible taux d'erreur mot à 84,51%. Ce sont des valeurs très élevées et nous y reviendrons dans la discussion un petit peu plus tard. Donc, justement, au vu de ces valeurs assez élevées, nous nous sommes demandé si finalement les performances de reconnaissance au niveau lexical sont liées à la sévérité du trouble de parole ou pas. Autrement dit, est-ce qu'il serait pertinent de mener des analyses en sous-groupe selon la sévérité des troubles présentés par les sujets? Donc, sur ce graphique, nous avons classé les sujets du lot 1, puisque c'est ceux-là qui nous ont servi à évaluer et à répondre à cette question. Nous les avons classés par ordre d'accuracy croissante, et la courbe jaune correspond à la sévérité perceptive, qui est le score attribué par les auditeurs experts. Et nous voyons qu'il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage en groupe, d'autant plus que quand nous calculons une corrélation entre la sévérité perceptive et l'accuracy, nous avons une corrélation élevée à 0,70, ce qui nous a conduit à garder l'ensemble de nos sujets pour la suite de nos analyses automatiques. Donc, une fois que nous avions notre paramétrage, nous avons pu dresser un inventaire lexical des mots reconnus par le système. Et donc, pour chaque sujet, nous avons obtenu le nombre de mots par seconde, le nombre différent de mots obtenus par seconde, également une mesure de longueur des mots. Et nous avons également utilisé la base de données en ligne lexique qui nous a permis de calculer des statistiques complémentaires, notamment par mot, par sujet, le nombre de phonèmes et de syllabes, la fréquence du mot, le nombre d'homophones. Et nous avons également recherché les mots qui contenaient des diconsonantiques potentiellement plus difficiles à prononcer pour des patients présentant un cancer ORL. Comme au niveau phonémique, à chaque mot est associé un score de confiance et nous avons travaillé sur ces scores de confiance pour calculer par sujet un score de confiance moyen et nous avons choisi également de nous intéresser particulièrement aux mots qui ont un score de confiance supérieur à 0,60 par seconde pour la suite de nos analyses.
Toujours au niveau lexical, nous avons cherché d'autres indicateurs, notamment un indicateur de diversité lexicale, qui est l'index de Biro, qui se calcule sur le nombre de lemmes différents sur la racine du nombre total de lemmes, le lemme étant la forme canonique du mot. Donc, nous avons comme ça une mesure du nombre de mots différents pouvant être reconnus par sujet. Et nous avons également une mesure de la densité lexicale, c'est-à-dire le nombre de lemmes avec un sens plein, c'est-à-dire les noms, les lemmes avec un sens plein, c'est les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, sur le nombre total de lemmes. Au niveau grammatical maintenant, nous avons dressé un inventaire des classes grammaticales dans la production, enfin, la reconnaissance de la production des sujets. Nous avons cherché notamment le nombre et la proportion de noms, de verbes, d'adverbes, ainsi de suite, grâce à la base de données de lexique, là encore une fois. Nous avons également cherché le nombre de formes pleines, c'est-à-dire les adjectifs, les adverbes, les noms communs et les verbes, et les formes supplémentaires, c'est-à-dire tous les mots outils, de manière à avoir une mesure de ces éléments-là, et nous l'avons fait grâce au logiciel Iramutech. Enfin, au niveau le plus élevé de notre modèle, nous nous sommes intéressés à l'analyse thématique, c'est-à-dire le nombre de thèmes différents pouvant être reconnus dans le discours des sujets. Et cela s'est fait par la mesure du nombre de classes issues d'une classification hiérarchique descendante, ce qui a été fait grâce, là encore, au logiciel Iramutech. Et enfin, nous nous sommes intéressés à l'analyse de sentiments, c'est-à-dire par rapport à la reconnaissance des contenus de discours des différents sujets, est-ce qu'il y avait un sentiment plutôt positif, négatif ou neutre qui se dégageait de ces sorties? Pour ce faire, nous avons utilisé une API de Microsoft, qui est Microsoft Azure. Donc, en synthèse sur cette partie de recherche des paramètres automatiques, nous voyons bien finalement que nous avons réussi à extraire à partir du signal de parole différents paramètres qui nous permettent d'avoir des métriques pour chacun des différents niveaux du modèle psycholinguistique. Donc maintenant, nous avons, dans un second temps, choisi de nous axer sur la sélection de ces paramètres automatiques, de manière à ne retenir que les paramètres qui soient à la fois les plus pertinents et les moins redondants. Donc, l'ensemble de nos analyses nous ont permis de retenir 149 paramètres au départ. Donc, nous avons choisi d'éliminer les paramètres les moins pertinents. Donc, quand ils mesuraient un effet présent dans l'échantillon, nous l'avons gardé. Quand ils mesuraient un effet absent, nous les avons éliminés. C'était le cas pour deux paramètres. Nous avons éliminé les paramètres qui présentaient un risque de biais. Donc, 34 paramètres à ce niveau-là ont été éliminés. Et enfin, nous nous sommes appuyés sur un comité d'experts de façon à déterminer si ces paramètres étaient relativement facilement accessibles en termes d'interprétation. Quand ce n'était pas le cas, nous les avons retirés. Et là, nous avons retiré 15 paramètres. Donc, à l'issue de cette sélection des paramètres pertinents, il nous reste 98 paramètres automatiques. La deuxième étape de sélection concerne la non-redondance des paramètres. Donc, nous avons pour cela réalisé une matrice de corrélation entre les 98 paramètres restants. Nous avons choisi un seuil à 0,90, ce qui fait que tous les paramètres corrélés entre eux à plus de 0,90, nous n'avons choisi d'en retenir qu'un seul. Selon deux principes, un principe de parcimonie, quand un paramètre était retrouvé dans différents blocs de corrélation à 0,90, nous avons choisi en priorité celui-là, de façon à réduire au maximum le nombre de paramètres retenus. Et là encore, notre comité d'experts nous a conduit à ne conserver que les paramètres les plus facilement accessibles en termes d'interprétation. Donc, à cette étape-là, nous avons retiré 23 paramètres supplémentaires, ce qui fait qu'à la fin, il nous reste un total de 75 paramètres qui seront utilisés pour répondre à notre objectif d'étude. Notre objectif d'étude qui est donc la prédiction de l'altération de la communication. Donc, au cas où vous l'ayez oublié, je vous ai remis une fois de plus notre modèle de la classification internationale du fonctionnement, puisque nous voyons que nous avons finalement des indicateurs, 75 en l'occurrence, pour mesurer le trouble de la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que nos questionnaires nous permettaient de recueillir des données sur la qualité de vie, les facteurs associés également, la communication. Une des limites est que pour pouvoir modéliser cet impact sur la communication, nous avons beaucoup d'items dans nos questionnaires qui sont relatifs à la communication, 174 en l'occurrence. Or, de manière à pouvoir modéliser correctement notre score, il nous manque
c'est un des verrous, un indicateur fiable, stable et unique de mesure de l'altération de la communication en cancérologie ORL. Donc, devant le nombre de variables importants largement supérieur au nombre d'observations dont nous disposons, nous avons conduit une sélection des items par méthodologie de réduction de dimensionnalité, de manière à aboutir à la création d'un score unique de référence qu'on appellera le score holistique de communication, ou SHC, qui sera considéré dans la suite des analyses comme une variable latente, c'est-à-dire une variable qu'on ne peut pas mesurer d'un coup uniquement par un seul paramètre, mais qui est constitutif de plein d'autres indicateurs qui seront les variables manifestes, soit les items issus de nos questionnaires. Donc, 174 items de nos questionnaires au départ. De la même manière que pour les paramètres automatiques, nous avons procédé à une sélection des paramètres de manière à ce qu'ils calent avec notre objectif. Donc, nous avons retenu les paramètres qui respectaient la validité d'apparence. Donc, pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur 9 experts issus de différentes disciplines concernées par la communication. Et dans un premier temps, à ces experts, nous leur avons demandé de définir clairement quel était le concept de communication en jeu dans notre étude. Donc, il en ressort que la communication dans notre étude doit avoir trait à l'oral, à l'expression orale en l'occurrence, et doit également inclure une notion, d'interaction avec un tiers, même si celle-ci est implicite. Ensuite, ces 9 experts ont été sondés item par item pour savoir si l'item correspondait à la définition et au cadre conceptuel qui a été fixé précédemment. Et nous avons retenu les items qui respectaient des critères de fiabilité, c'est-à-dire un score supérieur à 0,77 au ICVI ou 0,81 au CAPA d'agrément. Donc, il reste à l'issue de cette étude de la validité d'apparence 44 items que nous pouvons conserver. Et de la même manière qu'au niveau des paramètres automatiques, pour vérifier la validité de construit, nous avons choisi les items qui n'étaient pas redondants sur les mêmes critères que pour les paramètres automatiques. Et au final, nous avons pu conserver 40 items permettant de construire notre score holistique de communication qui sera notre indicateur. Donc, pour construire ce score, nous avons procédé à une analyse factorielle en principal component factor. Donc, nous avons prédit les valeurs pour le facteur 1, qui correspond en fait à notre score de communication. Et nous avons construit ce score par régression. Nous avons conservé les items dont le coefficient de corrégression était différent de 0, soit 24 items sur 40. Et pour des raisons d'interprétabilité du score, nous avons choisi de centrer cette mesure sur 100 et de lui mettre un écart-type à 10. Donc, ça donne ceci pour nos 25 sujets, donc un score holistique de communication qui s'échelonne entre 77,81 et quasiment 115 pour le meilleur communicant. Donc, nous avons validé ce score en procédant à une validation croisée à 5 blocs et nous retrouvons une corrélation très élevée à 0,91 entre le vrai SHC et le SHC qui est prédit par cette validation croisée, ce qui montre que notre score est fiable. Donc maintenant, nous avons souhaité modéliser notre score holistique de communication. Maintenant, nous avons cet indicateur-là par les paramètres automatiques issus de l'analyse automatique du trouble de parole. Et nous avons procédé à cette modélisation par une régression lasso, qui est une régression pénalisée. Et il en ressort une modélisation prédite par 2 variables explicatives restantes, à savoir le nombre d'occlusives par seconde et le nombre de sonantes par seconde. Donc, la corrélation, là encore, est très élevée à 0,83 entre le SHC et les valeurs prédites par la modélisation lasso avec ces 2 variables explicatives-là. Et en validation croisée, nous avons là encore de très bonnes performances autour de 0,80. Donc, la formule peut ainsi se schématiser de cette manière-là. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que finalement, les 2 paramètres en jeu dans la prédiction du trouble de la parole concernent des paramètres issus de l'analyse phonémique. Et finalement, pas de l'ensemble des niveaux du modèle de Caron. Alors, différentes pistes peuvent expliquer ce phénomène. D'une part, la taille de la tumeur. Nous avons vu que la majorité de nos patients présentent des tumeurs de plus gros volume, T3 ou T4, ce qui a des conséquences plus importantes sur le trouble de la parole et qui met probablement en lumière davantage les difficultés au niveau de l'articulation des phonèmes.
Un deuxième effet peut être lié à la construction du score holistique de communication et notamment son caractère autorapporté, puisque en clinique, il est fréquent que les patients, que la plainte principale des patients concerne les difficultés à articuler un message correctement et que ce soit cet effet lié au caractère autorapporté qui soit retrouvé dans la modélisation. Enfin, et bien sûr, nous y revenons à la qualité de la reconnaissance de la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que les performances du système que nous avions conservé au niveau lexical présentaient un taux d'erreur mot très élevé, quasiment 85%. Il est donc très possible que les erreurs de bas niveau finalement se répercutent dans la reconnaissance au niveau lexical. Et comme ce sont sur ces sorties au niveau lexical que l'ensemble des études ensuite sur les phénomènes de plus haut niveau ont porté, qu'il y ait une sorte d'effet ricochet qui limite la présence de nos paramètres de haut niveau dans la prédiction. Maintenant, si nous ajoutons nos facteurs associés à cette prédiction et si nous modélisons notre score en fonction de ces facteurs associés, nous remarquons que finalement, outre nos deux paramètres automatiques présents dans la modélisation, il en ressort différents items de nos questionnaires, et notamment quatre items qui sont relatifs à la constitution des cercles sociaux, deux du QFS et deux de l'ECCS que nous avons également conçus. Également deux items liés à l'anxiété-dépression, un item lié au déficit associé de l'olfaction-gustation, et enfin un dernier item relatif au handicap de parole. La modélisation avec l'ensemble de ces items et paramètres nous donne une prédiction à 0,89, ce qui est très élevé. Et là encore, des performances en validation croisée, même si elles sont un peu moindres que précédemment, restent encore tout à fait honorables et tout à fait correctes. Donc, en synthèse sur cette partie de modélisation, vous avez sur ce graphique en bleu turquoise la modélisation relative aux paramètres automatiques seuls, en vert avec les facteurs associés. Donc, nous remarquons que l'ajout des facteurs associés dans la modélisation améliore la prédiction et améliore également l'explication de la variance de notre score holistique de communication. Dans les deux cas, nous avons des performances en termes de validation croisée, donc en termes de fiabilité, qui sont tout à fait correctes. Et si nous rajoutons à ce graphique le score perceptif de référence que nous avions demandé sur la sévérité du trouble de la parole, nous remarquons là encore que la prédiction est meilleure. Donc, en termes de conclusion et perspective, je vous rappelle que notre objectif était de mesurer l'altération de communication par analyse automatique de la parole spontanée après traitement d'un cancer oral ou oropharyngé. Donc, nous avons pu répondre à cet objectif, d'une part en réalisant un état de l'art par une revue systématique de littérature qui a montré que à la date de la revue systématique, les mesures de bas niveau étaient prédominantes et également que c'était surtout la parole contrainte qui était étudiée. Ceci nous a conduit à construire un corpus selon les modélisations biopsychosociales, incluant des données troubles de parole, communication, facteurs associés et qualité de vie. Pour le trouble de la parole, nous avons recherché et sélectionné les paramètres automatiques applicables à la parole spontanée. Et enfin, nous avons modélisé de façon prédictive notre score de communication après l'avoir construit, ce qui aboutit à une prédiction à la fois forte et stable. Donc, différentes perspectives également s'ouvrent à nous suite à cette étude. D'une part, évidemment, élargir la taille de l'échantillon. Cet élargissement conduira bien sûr à une meilleure généralisabilité des résultats, mais également nous pourrions dans ce cas-là conduire des analyses complémentaires en sous-groupe sur différents facteurs pouvant expliquer des sévérités différentes du trouble de la parole, que sont la localisation ou la taille de la tumeur. De même, la constitution des sous-groupes par un degré d'intelligibilité de la parole évalué automatiquement semble également possible, à condition d'avoir un échantillon plus important. Une deuxième perspective va concerner l'amélioration de la prise en compte des liens entre parole, communication, facteurs associés et qualité de vie. Donc, pour le score holistique de communication, il serait peut-être intéressant d'inclure également une mesure par un auditeur humain, c'est-à-dire par l'interlocuteur qui est également en jeu dans la situation de communication habituelle.
également l'intégration dans notre modélisation prédictive d'indices non-verbaux. En effet, les patients compensent leurs troubles de parole souvent par de la communication non-verbale et il existe à l'heure actuelle des systèmes permettant de récupérer de manière visuelle et d'analyser les gestes et les mimiques qui peuvent être des systèmes augmentatifs de communication. Et du coup, ça serait tout à fait intéressant de rajouter ces éléments-là dans la prédiction de la communication. Et enfin, d'adapter les modélisations aux problématiques spécifiques des personnes traitées pour un cancer ORL, notamment en précisant de manière plus précise le rôle de certains indices, notamment le délai depuis la fin du traitement ou le rôle de l'olfaction-gustation, qui sont des choses que nous avons ou pas retrouvées dans notre étude et nous avons en tout cas des résultats un peu différents de la littérature actuelle. Et enfin, nous pouvons étendre notre étude aussi à la qualité de vie. Les premiers résultats que nous avons sur nos données et notre corpus montrent que finalement, sur la qualité de vie globale, la prédiction est moyenne. Elle est un petit peu meilleure sur la qualité de vie relative au fonctionnement social, mais avec des phénomènes de multicollinéarité qui font que nous avons besoin de préciser encore ces analyses. Un troisième aspect concerne l'optimisation de la mesure automatique de la parole pathologique. D'une part, nous pouvons imaginer aussi prendre en compte de façon plus importante les mesures acoustiques et automatiques de bas niveau qui pourraient contribuer à l'étude de la parole pathologique, notamment peut-être que l'altération de la communication pourrait être aussi mieux prédite en incluant justement ces phénomènes de bas niveau sur de la parole spontanée, par exemple, ou une réflexion sur le choix des paramètres en fonction de la langue qui est parlée. Une deuxième piste va concerner l'amélioration des résultats des mesures de plus haut niveau, notamment par rapport à l'analyse thématique et l'analyse de sentiment. Il existe à l'heure actuelle différentes stratégies pouvant être utilisées et qui seraient potentiellement utilisables dans notre contexte pour améliorer les performances de ce type d'analyse-là. Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser ces outils-là, il faut améliorer les performances du système de reconnaissance automatique. Et dans ce cas-là, il existe différentes pistes, notamment un entraînement ou une adaptation des modèles à la parole pathologique par transfer learning, par exemple, ou l'utilisation de différents systèmes de reconnaissance de type end-to-end qui pourraient améliorer les résultats et les performances de reconnaissance. Un dernier aspect concerne évidemment, et c'est notre rôle de clinicien, le fait de rendre les résultats applicables en pratique courante, notamment les résultats que nous avons obtenus sur notre population pourraient être adaptés à d'autres contextes pathologiques responsables de troubles de la parole, notamment auprès des patients laryngectomisés, les patients présentant des paralysies faciales ou des apraxies de la parole en contexte neurologique, par exemple. Et un dernier aspect pourrait être aussi comment rendre ces résultats applicables en développant des outils pouvant permettre aux cliniciens d'obtenir une mesure en temps réel. À ce titre, il y a actuellement dans l'équipe une expérimentation qui est menée sur un dispositif mobile permettant l'enregistrement en temps réel de la parole des patients avec une analyse là encore en temps réel permettant d'obtenir des scores d'intelligibilité. On pourrait tout à fait adapter ce système à l'étude de la communication dans un second temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question.